Cupide, Cupidon. Oh, Buzz, on ne devait pas faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui, du golf. Score! Véronica, c'est bien la meilleure Saint-Valentin de toute ma vie. Ah, votre service. Mais où étais-tu tout ce temps? Oh, Buzz! Salut, Wendy! Vais-je me joindre à toi? Désolé, Wally, le matin, c'est mon moment. Oh, je croyais que la Saint-Valentin, c'était notre moment à nous, non? Oh. Je m'en occupe! Wally, tu es si tendre et si douillet. Voilà, Winnie va adorer ça. Regarde, tes sandwichs préférés. Winnie, tu es la meilleure. Woody, j'ai bien réfléchi. Tu ne trouves pas que notre relation mérite un peu plus d'engagement? Engagement? Je le veux. Je viens de me rappeler, j'ai oublié de payer mes impôts. Les personnages de dessins animés ne payent pas d'impôts. Je te laisse gérer. Ce sera du gâteau. De l'engagement? Oh, j'ai pas besoin de m'engager, moi. Je suis un agent indépendant, un artiste solo. Je suis libre, libre comme un oiseau dans le ciel. Ouh. Hé, c'était pour quoi, ça? Soyez tranquille, monsieur, ça ne prendra qu'une seconde. Oh, allez! Pourquoi tenez-vous tant à fuir? L'amour? Je suis allergique à l'amour! Je vais devoir changer de technique. Wow! Quoi? Personne ne résiste à mon arbalète! Persévérant, ce petit gars, pas vrai? Oh! Oh! Tout le monde a couvert! Youhou! Tu m'as encore raté! Non! Je ne voulais pas en arriver là! Il me remerciera un jour! Hé, hey, Cupidon! Je vais te faciliter le travail! Ici la tête chercheuse, c'est le dernier sorti. Chut. Je me mets à l'abri du missile. Non, le missile, sauf qu'il peut. Bonjour, mademoiselle. Tu veux bien être ma Valentine? Qu'est-il arrivé à Woody? Oh, oublie ce stupide pivert. Il ne te mérite pas. Veux-tu m'épouser? Allons-y tout de suite. Oh, je viens de me rappeler. J'ai oublié de payer mes impôts. Reviens, amour de ma vie. Joyeux Saint-Valentin, les amis. Et souvenez-vous, si vous voyez un panda volant... Hé, attends.
crois un peu, espèce d'imposteur. Winnie est ma copine. Je veux m'engager, j'ai changé d'avis, je veux m'engager. Je m'engage. Woody et les extraterrestres. Voilà encore une bien belle soirée. Mais vous savez ce qui la rendrait parfaite, hein? Une pizza bien chaude. Belle étoile, étoile du soir, étoile qui brille dans le noir. Toi qui scintilles de mille feux, voudrais-tu exaucer mon vœu? Hein? Ça alors! La livraison de pizza a vraiment évolué. Notre grand-mère poserait un vaisseau bien mieux que toi alors qu'elle est aveugle d'un œil. Grand-mère n'en a qu'un seul œil. Parfaitement. Je devrais vous interrompre, les gars, mais est-ce que vous avez ma pizza? Pizza? Nous venons d'une galaxie très lointaine. Mon nom est Glorbnob, troisième du nom. Et moi, c'est Todd. Nous avons été envoyés en mission dans le but de ramener un terrien sur notre planète pour l'étudier. Voudriez-vous vous porter volontaire? Est-ce qu'il y aura de la pizza? Non, mais nous ferons des expérimentations. Ainsi que des tests. Et même un peu de dissection. Je vous remercie de votre offre, mais je viens de me rappeler que je préfère garder mon anatomie intacte. Peut-être une autre fois. Oh. Halt! Potentiel spécimen terrien. Ah! Sauvage! Oups, peut-être que j'aurais dû crier. Faites attention! Quelle bonne surprise! Avec des pépéronis! Le vieux coup de la pizza en hologramme! Du poisson! Ils m'ont eu! Hein? Oh! Mais c'est impossible de se faire empoisonner par un hologramme. Je crois qu'il se moque de nous. En effet! Oh! On s'est fait avoir! Oh, je me demande à quoi ça se fait! Je vais y aller, parce que j'ai l'impression de s'acheter un froid. Ce terrien ne va pas tarder à comprendre que deux têtes valent mieux qu'une. Même si l'une d'elles est stupide. Je te signale que je t'entends. On partage le même corps. Inutile de me le rappeler. Pepperoni. Wow. Tous les enfants vont vouloir ça comme cadeau de Noël. Le voilà! Capture enclenchée! Je sens qu'on va bien s'amuser! Youhou! Pas réussi, gros tas de ferraille! Regardez ce que vous avez fait! On a brisé le quatrième mur! C'était un accident! On est assuré! Oui, j'espère que vous êtes assuré! vraiment désolé, les amis! Alors, où en étions-nous? Ah oui! Capturez boîte de conserve! C'est tout ce que vous savez faire! Je réponds à votre place! Terminez les gentils extraterrestres. On l'a eu. Ah, vous avez pas mieux que ça. Sinon, je peux peindre une cible sur moi. Avoir un peu d'attitude.
créativité, c'est possible. Oh, pardonnez-moi. Veuillez nous excuser. Hé, attends une minute. Hein? Où est-il passé? Hé, les gars, je suis là. Regardez là-haut. Sérieusement, c'est tout ce qu'il a dans le ventre? J'espère que vous avez gardé la facture. Nous capitulons. Si jamais je vous revois à nouveau dans les pages, je vous piquerai tellement du bec que vous passerez pour des arrosages automatiques. Partons d'ici tout de suite. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce terrien est un détraqué. Un détraqué? Je prends ça comme un compliment. Allô? Je voudrais commander une pizza à livrer, s'il vous plaît. Tout bien réfléchi, je vais bien la chercher. Le plumage est plus fort que l'épée. Je dois me cacher. Ouvre cette porte que je puisse te mettre une raclée, oiseau de malheur. Et c'est ça. Merci. Je n'ai pas vu venir celle-là. Ou peut-être que si. Coupez! C'est dans la boîte, les gars. Et toi, où est ma bouteille d'eau de source? Pèse, mon pote. C'est génial que tu fasses tes propres cascades. Mon chiropracteur dit la même chose. Woody, j'ai bien réfléchi. Et si, juste une fois, je gagnais à la fin d'un épisode? Je comprends parfaitement où tu veux en venir, mon pote. Mais c'est pas moi, ce sont les fans. C'est le public qui veut que le héros l'emporte à la fin. Ouais, ouais, si tu le dis. Salut les gars! Le département promotion a besoin d'une photo de vous trois. Oui, oui, aucun problème. C'est parti. Prends bien mon bon profil. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je n'ai que des bons profils. Faites-moi un grand sourire. Cheese! Merci mille fois, les gars. Bien, j'y vais. On se voit demain. Ce piaf aurait vraiment besoin d'une bonne leçon. J'ai toujours rêvé d'être réalisateur. Oh, voilà qui devrait rendre les choses très intéressantes pour cette espèce d'enfant gâté. Les gens croient que je suis marteau. C'est pas faux. Prépare-toi, Alpiver. Tu seras la star de mon dessin animé. Buzzifié par Buzz. J'ai trouvé le titre moi-même. L'oiseau marteau qui est un peu fou. Tout comme vous. Hé, hey, où est passé le décor? C'est quoi cette blague? Oh, est-ce que ce serait un épisode de cirque? Si ça se trouve, c'est seulement un... rêve très étrange. Et ça ne risque pas de s'arranger. J'aurais dû apporter mes palmes. Tu devrais éviter, monsieur requin. On m'a dit que les pivers n'avaient pas bon goût. C'est ce qui paraît. Essaye d'échapper à ça. Pas vraiment le choix. Je ferais mieux d'attendre à l'intérieur. Attache ta ceinture de sécurité, héros. Ça va pas tarder à swinguer, mon pote. Oh, quoi encore?
Ah. Et voilà la scène du rebondissement. Quoi? Comment as-tu fait? Tu devrais pourtant le savoir, Buzz. Ne jamais se mesurer à plus malin que soi. Oh, hey. Renvoie-toi. Pas question, c'est à moi. Sûrement pas, c'est à moi. Le mien. Non, le mien. Regarde ce que t'as fait. Moi? Tout ça, c'est ta faute, la mégastar. Comment vont-ils dessiner le prochain épisode? On s'en moque. Je ne travaillerai plus jamais avec toi. Ça tombe bien, c'est réciproque, mon pote. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Attends une petite seconde. Si tu es là et que je suis là, qui a dessiné ça? Chérie, il fait froid dedans. Ouh, Winnie est arrivée. Elle est juste à l'heure. Bonjour, sois la bienvenue, Winnie. Je t'en prie, viens te mettre au chaud. C'est gentil, merci. Alors, qu'as-tu prévu pour notre soirée? Tu veux dire qu'est-ce que je n'ai pas prévu? D'abord, nous allons manger un petit morceau. Apprenez-vous, mademoiselle. Ensuite, nous allons danser un peu. Et nous finirons la soirée à plumes devant la cheminée. Oh, Woody, tout ça m'a l'air absolument merveilleux. Oh, tu es un gentleman. Mais d'abord, j'ai besoin de me rafraîchir un peu. Oh oui, chouette! Quoi? Oh non! Non! Que se passe-t-il? Rien! À table! Qu'est-ce que c'était, ça? Ah, c'est un tic nerveux! Ça recommence! J'ai mangé trop de sucre ce matin. Il y a forcément quelqu'un qui tape à la porte. Je suis sûre que c'est seulement le vent. Pourquoi tu es si... Oh, Chili Willy, oh mince. Tu dois être frigorifié. C'est un pingouin. Les pingouins, ça adore ça, le froid. Tu as été surpris par la tempête. Mon pauvre petit. Je parie que tu meurs de faim. Ah oui. C'est ma place. Va chercher une autre assiette, Woody. Allez. T'as gagné. C'était censé être une soirée seule tous les deux. C'est bon. La voilà, son assiette. J'en reviens pas. Où est passée toute la nourriture? Sois gentil, Woody. Chili est notre invitée. Allez, tu la manges. Il peut m'agacer, celui-là. Ah, oublions le dîner. En piste! J'ai envie de danser! Un peu? Tu as le pied d'une légèreté extraordinaire. Excusez-moi. Hein? Bien sûr, avec plaisir. Pardon, je peux? Oh, oui, je t'en prie. C'est mon tour. Après toi, et bien sûr. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce que tu dirais d'aller se détendre près du feu? J'en ai assez!
C'était quand il est... Je vais te faire couler un bain, d'accord? Les pingouins aiment bien l'eau, non? Je fais au mieux pour être le meilleur des autres. Oh, il est tellement mignon, ce petit gars. Alors, on en était où? Oh, oh non, le feu est en train de s'éteindre. Oh, ne t'inquiète pas, je vais rajouter une bûche. Comment t'as fait? Tu es le mal incarné. Où est passé Woody? Oh, il est parti chercher du bois pour le feu. Quelle délicate attention. Oh, il fait de plus en plus froid ici. Oh, qu'est-ce que c'est gentil, merci. Winnie! Winnie, ouvre! Laisse-moi entrer! Tu as entendu quelque chose? Hein? Oh, Chili, tu es le meilleur! C'est l'intention qui compte! À l'appareil. Woody, où est-ce que tu es? La fête d'anniversaire de Splinter et Knotted a commencé il y a une heure. Justement, j'étais en train de partir quand tu as appelé. Oh, d'accord, parce que les jumeaux ne parlent que du cadeau que tu as promis de leur offrir. Le cadeau. Tu as oublié de l'acheter, c'est ça? Oh, Winnie, comment oses-tu dire que j'ai oublié d'acheter ce truc? La nouvelle console de jeu Megastation? C'est ça, tiens, écoute, je l'ai justement dans les mains. Emballée et prête à l'emploi. Oh, merveilleux! À tout à l'heure! Si j'étais une console de jeux vidéo Megastation, où est-ce que je me cacherais? Oh, oh non! Oh. Ouh, il en reste une! Oh. Hey, lâche le cadeau des jumeaux tout de suite! Ça, c'est le cadeau d'anniversaire de ma nièce et de mon neveu. Il s'appelle Flip et Tosker. Rapporte-moi immédiatement mon cadeau! Fromage! Dégustation de fromage! Respecte-moi, Noah Crête Rouge! Alors, tu veux jouer avec la nourriture? Très bien! Larguez les bombes! Fromage! Oh, salut Winnie. Woody, qu'est-ce que tu fais? On est sur le point de servir le gâteau. Il y a beaucoup de circulation. Quand j'aurais mis la main sur ce satané piaf de... Oh, bonjour petite ballerine. Est-ce qu'à tout hasard tu aurais vu... Ah, la méga station. Oiseau de malheur, tu m'échapperas pas si facilement! Non. Fromage à déguster! Oh.
Tu commences vraiment à m'énerver. Je suis le roi du monde, Woodpecker. Comment j'ai fait pour perdre face à un morse? Une méga station, s'il vous plaît. Ce sera en espèces ou en cartes? Je m'en occupe, merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît, Bulkbart ferme ses portes pour aujourd'hui. Nous vous accueillerons dès 10h demain matin. Attendez, s'il vous plaît, ouvrez, on est coincé. Qu'est-ce qu'on va bien faire toute la nuit? Une autre. Tu te défends bien, Wally. Qui c'est? Le sapin de Noël. Où est-ce que je vais mettre la couronne? Le Père Noël est en avance cette année. Wally, tu veux me dire ce que tu fabriques? Cette année, j'ai décidé d'avoir le sapin de Noël le plus grand de tout le quartier. Sauf que c'est pas un sapin de Noël, c'est ma maison! Eh ben, ta maison va passer Noël devant ma maison recouverte de centaines de décorations. Il n'y a pas de fête de Noël sans bonhomme de neige. Tu m'échapperas pas, Woodpecker. Il faut que je trouve le parfait endroit où l'accrocher. Jouer au plus malin avec moi, petit piaf. Tu vas le regretter. Je dois l'accrocher avant que... Rien ne vaut un bon vieux chasse-neige pour s'imprégner de l'esprit de Noël. Vous allez comprendre. Je ne vois plus rien. Où est-ce que je suis? T'inquiète pas, cette glace est solide comme un roc. Regarde. D'accord, je prends l'examétor. Tu devrais t'habiller plus chaudement, tu vas attraper froid. Ah,
peu calme en ce moment. Beaucoup trop calme. Comme disait mon grand-père Morse, si toutes les tentatives ont échoué, fais tout sauter. Qui veut du feu? Wally, on peut en discuter. Trop tard pour en discuter, Woodpecker. Cette fois, j'ai perdu patience. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Et une très bonne année. Joyeux Noël, Woody. Joyeux Noël, Wally. Qu'est-ce qui nous prend, Wally? C'est bientôt Noël. On peut pas continuer à se battre. Oui, oui, t'as raison. Mais avec tout ça, j'ai toujours pas mon sapin de Noël. Vas-y, à toi l'honneur, Wally. Non, à toi, Woodpecker. J'insiste. Alors, on le fait ensemble. On le fait ensemble. C'est pas mal, mais il manque un tout petit détail. L'omelette de Pâques. Soyez tous les bienvenus. Comme vous le savez, c'est bientôt l'heure de notre traditionnelle chasse aux œufs. Le but est de récolter le plus de kaléidoscopiques que vous pourrez. Et celui d'entre vous qui en trouve le plus gagne ceci. Un lapin en chocolat géant. Chocolat! Ce serait super de gagner ce lapin, Woody. On pourrait le partager avec les jumeaux. Partager? Oh non, 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 non! Je m'entraîne depuis des mois. Je fais cavalier seul sur cette mission. Bien. Dans ce cas, tu n'as qu'à emmener ton lapin en chocolat au cinéma le week-end prochain. Vous avez 30 minutes. Oh, une dernière chose. Si vous trouvez l'œuf gigantesque que j'ai caché, il comptera pour 25 œufs de taille normale. La chasse est ouverte. J'en ai un. Oh, oh voilà un autre. Votre attention, s'il vous plaît. Plus que 15 minutes. Il faut que je trouve l'œuf gigantesque. Oui. À plus tard. Votre attention, il ne reste plus que 10 minutes. Je crois que c'est dans la poche. Regarde-moi tous ces œufs, chérie. L'œuf spécial, chérie. C'est bien trop facile, ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Buzz, est-ce que tu m'entends? Regarde, Véronica, on a réussi. Wendy, regarde! T'as vu tous ces œufs? Il est très léger. C'est parce que c'est un ballon.
Oh. 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 Non, attention. Oh. Oh. Au revoir. J'espère que vous ferez bon vol. Vous nous avez volé tous nos œufs. Vous voulez dire nos œufs? Ouais, nos œufs. Essaie un peu de me redire ça en face, misérable. Je voudrais pas te mesurer à quelqu'un de ta taille. Et toi, tu pourrais pas aller te faire cuire un œuf ou deux? T'as de quoi faire. Elle est très bonne. Vous allez regretter d'avoir... Faites pas attention, je fais juste un peu de ménage. Non, ça va exploser. Moody. Bah quoi? Personne n'a jamais fait d'omelette sans casser quelques œufs. Maintenant, personne ne va gagner le chocolat. Félicitations, Woody. 3, 2, 1. Et que s'est-il passé? Tu devrais demander à Woody. On dirait que nous allons avoir un gagnant. Regardez ce que j'ai trouvé. À moi le chocolat. Désolé, Woody, mais ce n'est pas cet œuf que j'ai caché. Je comprends pas de quoi tu parles. Non. À l'aide! C'est bien toi qui voulais le lapin pour toi tout seul, tu t'en souviens plus? Maman! Qui en veut un morceau? Eh bien, joyeuse fête de Pâques à vous tous! Scout toujours. Salut les amis. Salut Woody. Salut, bonjour. Merci de garder les enfants aujourd'hui. Oh, on va s'amuser comme des fous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais juste en train de manger un morceau. Un seul? Hey, c'est l'uniforme des scouts de la plume que vous portez. Eh bien, moi aussi, j'étais un scout de la plume. Est-ce qu'ils t'ont donné une médaille pour t'être gavé de cochonneries à l'époque? Pour ton information, ma petite Splinter, Woody de la jungle est devenu une légende dans l'histoire des scouts de la plume. Je peux vous aider à gagner une médaille tant qu'on est ensemble? Oui, je pense que ça peut se faire. Ouais, ça peut toujours servir d'apprendre comment faisaient les anciens. Super, j'ai bien fait de garder mon uniforme des scouts de la plume. Eh, vous avez vu, il me va toujours comme un gant, non? Oups. On commence par la médaille de survie. Ça a toujours été ma préférée. Il y a 3 étapes pour obtenir une médaille de survie. Chercher de la nourriture, allumer un feu de camp et installer un abri. Pouh, y a rien de plus facile pour un scout débutant, Knothead. Je vais vous montrer. Ouais, si tu le dis. Première étape, chercher de la nourriture. Pour connaître la liste des plantes comestibles... C'est pas dans les livres qu'on apprend à survivre dans la forêt. Il faut le vivre. Vous n'attraperez jamais rien avec ça, vous savez. Voilà. Cette canne à pêche ne fait pas très Woody de la jungle. Je te signale que cette canne à pêche est... Quoi? J'ai attrapé quelque chose. Attends, moi aussi. Oh, pitié. Observez, prenez-en de la graine. Aucun poisson chat au monde ne résiste à la canomatique ultra pro. Cette canne est... Essayons de rester simple pour l'étape numéro 2. Ça vous va? Brindille, étincelle, joli feu de camp. À vrai dire, j'ai des allumettes dans mon sac à dos, Woody. Et le guide dit qu'il faut...
pour les nuls. Ça ? Ta-da ! Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça ? Ben, pourquoi tu filmes pas ça ? Woody ! Vous sentez cette bonne odeur de feu de camp ? Ça vient de ta tête ! Quoi, ma tête ? Ah non! J'arriverai pas à regarder cette fois! T'inquiète pas! Je posterai toutes les vidéos sur YouTube et tu pourras les regarder plus tard! Ça va là! Hein? Oh! Pourquoi ça tient pas? Comment ça marche? L'étape numéro 3 vous prend beaucoup trop de temps! Mais il faut bien qu'on apprenne comment installer une tente! Les tentes, c'est pour les nuls! Suivez-moi! Ta-da! C'est largement plus robuste que votre tente! T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Mais non! Venez! Mais dans le guide, il conseille! De regarder avant s'il n'y a pas de signe de la présence d'un animal! Pas, comment est-ce que tu veux que ça devienne viral? Merci encore, Woody de la jungle. On n'a pas eu de médaille de survie, mais le badge de premier secours, il est super cool. Et grâce à tes échecs catastrophiques en série, mes vidéos sont devenues virales. Oh, Woodrow, est-ce que tu souffres toujours autant? Seulement quand je cligne des yeux. À table! Ça tombe bien. J'ai l'impression que le fait d'avoir tous les os cassés m'a donné faim, finalement. J'ai vraiment besoin de reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on mange? Du poisson chat! Du poisson chat! Du poisson chat! Ça, c'est de l'or en bas! La quête du jaguar de Jade. Au revoir, hiver glacial. Bonjour, Rio. Encore toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre des vacances. Moi aussi. Buzz, le Brésil est suffisamment grand pour nous deux. Donc je t'ignorerai si toi tu m'ignores aussi. Je te rassure, Woodpecker, je t'ignore déjà. Tcha tcha tcha. Qu'est-ce que tu as trouvé, amigo? On dirait une carte au trésor. Mais ce sont juste des symboles au hasard. Tu comprends quelque chose, toi? Oh! Oh, ah, le jaguar de Jade! Tu as trouvé une carte conduisant au légendaire jaguar de Jade! Oh, le jaguar de Jade, c'est plutôt chouette, non? Très chouette, amigo! Mais le jaguar est caché au fin fond de la forêt tropicale de Rio. On s'y perd facilement. Tu saurais m'aider à le trouver? Oh, Louise peut t'aider à trouver tout ce que tu veux! À moins que l'objet ne veuille pas être trouvé, évidemment. Heureux de te connaître, Louise. Je m'appelle Woody. Alors comme ça, monsieur a trouvé une mystérieuse carte au trésor. C'est dans cette direction, Woody. Alors, qu'en penses-tu? Elle est magnifique, cette forêt! Je vais laisser cette cervelle de moineau me meuder au butin. Ensuite, je lui arracherai le trésor juste sous son bec. Attends! Bien, nous voilà arrivés au premier repère de la carte. Moi, je peux voler, mais comment est-ce que tu vas traverser? Moi, je me balance. Dans ce cas, je vais faire honneur aux coutumes locales. Ah!
La carte dit qu'il faut emprunter ce passage. J'espère que ce fameux jaguar de Jade vaut le coup de prendre tous ses risques. Oh oui, ça vaudra le coup. Pour moi. Surtout, tu ne dois pas t'inquiéter. Parfois, ces cavernes sont habitées par de petites créatures. Et parfois, elles sont aussi habitées par de plus grandes créatures. Je m'en souviendrai la prochaine fois que plus jamais je visiterai une caverne. J'ai été ravi de te connaître, amigo. On va sortir d'ici en un seul morceau. Fais comme moi, d'accord? Je dois admettre que c'était plutôt amusant. Et sauf la partie avec l'horrible arachnide carnivore géante. Je me suis fait pipi dessus. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, un vautour n'est jamais pris au dépourvu. Le jaguar de Jade se trouve en haut d'une falaise au bout de cette rivière. Mais il va falloir un moyen de transport. Bienvenue à bord du SS Woody. Attention à la marche. Changement de plan. Passe. Je ne manquerai pas de transmettre vos amitiés au jaguar de Jade. Hé, hey, rends-moi ça. Sois tranquille, Woody. J'ai mémorisé le chemin. Un singe n'oublie jamais rien. Je croyais que c'était les éléphants qui n'oubliaient rien. Les éléphants ont oublié qu'ils doivent leur bonne mémoire à leurs amis les singes. Je suis riche. Non, sûrement pas. C'est mon trésor. Quoi? Le jaguar de Jade est un... restaurant? Alors, ça veut dire que la carte au trésor était une... Une publicité. C'est plutôt bien pensé, non? Il n'y a donc pas de trésor? Il n'y a pas de trésor plus grand que celui de partager un bon dîner avec un nouvel ami. Tu as tout dit, amigo. La faute à Rio de Janeiro. Je t'avais pas dit que le Brésil était génial, Winnie. On est là tous les deux. Oh, je pense que ta mère dit que je ne suis pas romantique. Oh, oui, c'est magnifique. Allez, viens, faisons une belle photo tous les deux. Allonge la perche. Prends aussi la montagne. Plus à gauche. Encore. Un peu plus à droite. Plus haut. Voilà, parfait. Oh, c'est tellement bon d'avoir un peu de temps pour nous. Juste toi, moi et la ville romantique de Rio de Janeiro. Bonjour mes chers amis. Winnie, je te présente mon nouvel amigo Luis, le meilleur guide touristique de toute l'Amérique du Sud. Il va nous accompagner tout le week-end. Tu trouves pas ça génial? Si, je saute de joie. Tu connais le vieux dicton, mon cœur. À deux, on est heureux. À trois, c'est la fiesta. Et comment, oui? Pa, 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 pa. C'est un plaisir de vous rencontrer, mina querida. Quoi? Ça suffit maintenant. Du calme. Luis essaie seulement d'être poli. Puis-je vous proposer une visite guidée de ma merveilleuse cité? Oh, si. Oh, Luis, vous êtes si amusant. Je dois vous avouer que le soleil des tropiques m'a quelque peu déshydratée. Elle est sérieuse? N'ayez crainte, mina querida. Luis va aller vous chercher une eau de coco bien fraîche pour vous désaltérer.
C'est moi qui vais la décrocher, la noix de coco. Mission accomplie. C'est loupé. Obrigada, Luis. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Comme une brésilienne. Je vous assure que vous ne saurez pas réellement ce qu'est le Brésil tant que vous n'aurez pas assisté à l'un de nos mythiques matchs de football. Oh, mais Luis, je suis une inconditionnelle du football. Dans ce cas, je vais aller nous acheter les meilleures places du stade, mina querida. Dis donc, depuis quand est-ce que tu voues une passion si débordante au football? Depuis que Luis m'en a parlé comme si c'était un pur enchantement. Ah, pardonnez-moi, le match est déjà complet. C'est un match de grand championnat, le Brésil contre la Suède. Oh, ça ne fait rien, Luis. Je suis certaine que vous nous trouverez autre chose à faire de si extraordinaire. Eh non, si mademoiselle veut aller à un match de football, mademoiselle ira à un match de football. C'est au tour de Woody, cette fois, d'être le plus merveilleux. Woody, qu'est-ce que tu fais? Après toi, Louis. Vous permettez. Oh, qu'est-ce que ça sent? Woody, t'es sûr que ces évacuations pluviales vont nous mener jusqu'au stade? À vrai dire, je pense que nous nous trouvons plutôt dans... comment dirais-je? Des égouts. Oh, regardez, de la lumière. Tu vois, je t'avais dit que je nous conduirais jusqu'au stade. On est placé où par rapport au terrain? On est au cœur de l'action. Le score est très serré. Nous sommes à seulement quelques secondes de la fin du match. Et l'année d'Anno est ici. Ce but est clairement dû à l'intervention d'un fan. Comment ça, l'intervention d'un fan? Je suis pas du tout fan, moi. Une seconde, attendez, il n'y a rien dans le règlement à propos d'un éventuel pivert migrateur. Le Brésil a gagné. Oh, j'ai rien dit. En fait, je suis fan. J'adore ce jeu. Et moi, je t'adore toi, Woody. Et moi aussi, je t'adore. J'espère qu'ils vont nous emmener aux douches, amigos. Vous sentez très mauvais. Mon ami, laisse faire les experts, tu veux bien?